Ma, vous savez, le Maroc, depuis des décennies, il a un petit peu problème d'efficacité, de trouver les attaquants qui marquent du but. Bah, je ne sais pas combien on a, sur 5 matchs, on a marqué 16 ou 17 buts sur 5 matchs, c'est pas mal, pas mal. On joue en qualification pour Coupe du Monde. Et bien, bah, il avait Youssef Ennesri, il y a quelques mois, vous ne connaissez pas, mais moi non plus, Maé, je connais un petit peu Ayoub là, bah, c'est très bien qu'il y a une concurrence comme ça. Après, ça dépend de vous voyez, je change un petit peu le système souvent pour essayer un petit peu voir toutes les possibilités, surtout vis-à-vis du joueur, parce que moi, le système, ça dépend ça, de qualité individuelle de mes joueurs. Avoir trois attaquants comme ça, bah, ça c'est bénéfice pour l'équipe et plus rassurant. Et je suis très content pour le Ryan, ce soir, qu'il a marqué, pour l'attaquant, c'est hyper important qu'il marque. Récemment, c'est un jeune joueur qui va encore progresser, qui va apporter encore plus. Maintenant, avec Youssef, Ayoub et lui, bah, on est un petit peu plus optimiste dans l'efficacité de notre équipe de prochain match, prochaine chance. On prend une quatrième et dernière question. Mais pardon, qu'est-ce qui est encore le valeur de cette équipe? Tout le monde, plus ou moins, marque aujourd'hui. Avant, ça a été, je n'étais pas content de l'efficacité de notre milieu. Maintenant, vous voyez ce soir, Petit Bouzak a marqué l'autre jour, c'est Barcoq, Ilias. Ça veut dire que ça, c'est une richesse intéressante comme ça pour ça. Bah, si marche un, deux joueurs, il y a les autres. Notre qualité, c'est plus un petit peu collectif. Oui. Bah, c'est une bonne réflexion, mais juste pour vous dire, quand on démarre l'action de derrière, le jeu de gagnant, c'est très important. Dans le football moderne, on joue souvent parce que tous les autres joueurs sont bloqués et on joue sur le gardien qui fait surtout changement. On balance sur le côté droit, on remet le gardien et on change côté opposé parce que là-bas, il n'y a pas de pressing. Et notre gardien, il a une super pied gauche qui est capable de 30-40 mètres. Ça peut être qualité aussi pour déclencher contre ça, côté opposé. Et après, si on joue, si on dégage tout le temps, c'est aussi pas toujours efficace. Ça veut dire, il mélange ça, ça c'est une bonne équipe qui va s'adapter vis-à-vis des positions qui s'imposent. Pour moi, ça ne me gêne pas beaucoup, même ce soir, il avait cette passe un petit peu bizarre, qu'il nous fallait même coûter un but. Mais il faut tirer toujours les sons sur beaucoup de choses pour améliorer. Je ne pense pas que cette équipe de Maroc il est encore au top. Les derniers trois matchs qu'on a fait, ça a été pas mal. Mais aujourd'hui, c'est petit relâchement, genre, c'est pas ça. Mais malgré ça, on a gagné 3-0. Moi, j'aime bien que les gens sont aussi exigeants, moi-même, qu'on gagne. Sans vérité, monsieur, qu'est-ce qui dans le football, c'est le résultat. Et plus pour une fois, l'équipe qui marque le but, plus de 3 buts par match, bah, tiens, je vois le président, même mon président, il a toujours 3-4 buts de la vie. Bah, il était, je pense, content qu'on marque 3 buts. Mais je pense aussi que cette équipe, il peut encore progresser et encore annoncer certaines choses et améliorer.